20h le reportage, ce soir profession champion vidéo. Il vient d'avoir 18 ans, il gagne d'ores et déjà 10 000 euros par mois en jouant sur Internet. Steven est désormais installé à Berlin où comme un joueur de football, il a rejoint une équipe et ça ne plaisante pas, 6 heures d'entraînement par jour, Nicolas Herbeau et Louis Sibylle. Parce que le public français, c'est le meilleur du monde à LOL, quoi, c'est tout. Bonjour Paris ! Ce dimanche-là, près de 12 000 supporters survoltés assistent à une finale d'un très haut niveau. Mesdames, messieurs, ce soir, 10 joueurs vont s'affronter pour le titre de champion d'Europe. Champion d'Europe, d'un sport devenu planétaire, qui réunit 100 millions de joueurs dans le monde. Le jeu vidéo League of Legends. Et parmi les champions qui font vibrer les gamers, ce jeune de 18 ans. Depuis plusieurs mois, Steven est joueur professionnel. Il vit à Berlin et ne revient que rarement en région parisienne où il a grandi. C'est là qu'il va disputer sa toute première finale européenne. Paris, ça m'a manqué depuis et je vais voir de nouveau ma famille. Et je suis plutôt excité pour la finale, ce sera une première fois que je vais jouer devant la foule française et j'ai très hâte. J'ai toujours entendu dire que la foule française, c'est la meilleure. Quoi. Ansama, c'est son pseudo et très attendu. Il est devenu le chouchou du public français, l'un des meilleurs joueurs européens. Pour lui, tout commence à 11 ans, au collège, quand son frère l'initie. Au début, j'ai pas trop aimé parce que j'étais assez accroché à un autre jeu et au final, on n'a qu'un PC, il m'a forcé. C'est mon grand frère, du coup, j'ai pas le choix. Sans rancune, apparemment, le jeu vidéo prend alors beaucoup de place dans sa vie. Depuis qu'il est pro, Steven a même mis l'école de côté. Mais son avenir n'est pas que virtuel. S'il vit aujourd'hui de sa discipline, l'adolescent a d'autres rêves. Plus tard, quand je serai plus vieux, j'aimerais faire artiste. Les mangas, c'est ma grosse passion. Et je rêve de réaliser un manga plus tard. L'imagination et la concentration sont ses points forts. Yo, là, c'est ma chambre du coup. Dernier moment de détente. Steven se prépare. Et fais attention à son image. Mes affaires, gaming. Une nouvelle coupe de cheveux. Indispensable pour un sportif de haut niveau. Auparavant, je faisais du tennis. C'était un gros truc pour moi, c'était un gros truc dans ma vie. Et maintenant, League of Legends, ça devient une grosse partie de ma vie aussi. Et au tennis, depuis le début, je voulais devenir tennisman. Et je pense que je peux relier un peu les deux. C'est un peu les mêmes sentiments que je peux retrouver. C'est toujours cette même pression, cette même sorte de joie après un match gagné. Matériel, c'est ça. Clavier, souris, tapis de souris et casque pour parler. Si c'est pas mon matériel, je peux pas jouer. C'est un handicap. Ansama est très protégé. Il a un agent. T'es prêt, Steven? On y va. Un manager et un entraîneur. Alors, à quelques heures de la finale, son programme est minuté. Je vais pas pouvoir m'entraîner, je pense, parce que j'ai pas le temps. Interview, maquillage, plus question de jouer, mais le coach n'est pas inquiet. Il faut que tu sois confiant. Tu joues bien, très bien. Tu es suffisamment entraîné et tu mérites de gagner. En dehors des vestiaires, les fans sont au rendez-vous. Quentin et ses amis sont venus de Grenoble
pour assister à cette finale avec les couleurs de leur avatar préféré. Bah, on était contents de mettre un peu de temps pour fabriquer et venir s'amuser ensemble en voyant tous les joueurs pros et la vraie foule et voir que le jeu vidéo, bah voilà, c'est plus associé à juste un geek boutonneux dans son coin, dans sa cave. C'est un vrai truc avec des milliers de personnes qui viennent crier dans un stade. Le sac, il y a quoi ? Des habits, des fleurs. Très bon, allez-y. Les longues files d'attente se réduisent. Et l'ambiance explose dans l'arène de Bercy. C'est quelque chose de communautaire, c'est quelque chose qui se partage. Et les gens ont tendance à s'imaginer seuls devant notre écran. On n'est jamais seul. On est sur Skype, on est sur Teamspeak, on communique, c'est une grande famille. Il y a autant d'émotions que dans le sport. C'est incroyable. Et ce sera ainsi jusqu'à l'entrée de la star du jour. Dans le premier match, la compétition commence. Mal pour Ansama et son équipe qui perdent les deux premières manches. Mais le public, lui, fait preuve d'un soutien sans faille, ce qui impressionne les parents de Steven. On est fiers de lui. On est touchés, on est très émus. Et son frère, de jouer les décrypteurs. Je trouve que ces deux, pour l'instant, sont plus soudés que Misfit. Et j'espère qu'ils vont essayer de remonter ça et qu'on trouve la solution. Il est coincé. Il est coincé. Difficulté, le truc devait tomber. Le cul pour Ansama. Et si l'espoir renaît brièvement dans la dernière manche, les adversaires sont plus forts. Le cul qui tombe. J'ai deux. Mets à terre le Misfit. Le jeune prodige français s'incline à domicile. Mais ce soir-là, l'enjeu était ailleurs. Quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, j'aurais même 14 ans, 15 ans, j'aurais jamais imaginé que je serais dans une finale des SCS et en plus devant Paris, devant 12 000 personnes. Et ils ont chanté mon anniversaire. La première fois qu'il y a autant de personnes qui me souhaitent anniversaire. Bon anniversaire, quoi, je suis super content. Ansama et son équipe sont déjà qualifiés pour les championnats du monde en Chine. Pour les préparer, ils partent dans les prochains jours affronter les meilleurs joueurs du monde en Corée. Bon anniversaire Ansama. Alors même si vous êtes très perturbé, comme moi, pour être tout à fait sincère par ce reportage, ce n'est pas une raison pour coller vos gamins de rechef devant un écran plutôt que de leur faire réviser leur fable de La Fontaine.